ed eccovi me a 4-5 anni in un spazio fangoso che trascino un pezzo di legno immenso. Non ci sono né alberi né case intorno, solo il sudore per lo sforzo di trascinare quel corpo duro e il bruciore acuto delle palme ferite dal legno. Affondo nel fango, alle caviglie, ma devo tirare, non so perché, ma lo devo fare. Écoutez, il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui ont obtenu ceci. Le bon des livres de la semaine dernière, voilà, 4 pages consacrées à Goliarda Sapiens, une très belle photo que Françoise a retenue, et Bruno également, pour l'affiche. Il n'y a pas beaucoup d'écrivains qui ont eu l'honneur d'avoir leur photo, un long texte critique, plusieurs longs textes critiques d'ailleurs, alors que pendant très longtemps, Goliard a été snobé, méprisé, oublié. Et donc, c'est pour moi refusé. On parlera de ces éditeurs italiens qui, vraiment, l'ont fait beaucoup souffrir. En fait, le 100e anniversaire de sa naissance, et de façon presque exacte, elle est née le 10 mai 1924 à Catane. Elle a presque 30 ans quand elle se met à lire, à écrire pour elle. Je me demande si ce n'est pas les drames qui sont survenus de la prison, de l'hôpital psychiatrique, qui ont cassé ce carrière possible et qui l'ont ramenée à elle-même et à son œuvre. Goliarda a exploré toutes sortes de domaines. Elle a écrit aussi du théâtre, qui n'a jamais été joué de son vivant. Mais elle en a écrit, elle a écrit 2 pièces. Elle a écrit des poèmes. Lorsque sa mère, à laquelle elle était profondément attachée, plus que profondément attachée, ça a été, je crois, elle le dit quelque part, l'amour de sa vie. Eh bien, elle a écrit une suite de poèmes qu'elle intitule Ancestrale, et donc elle aurait pu aussi être poète. Ils sont publiés, ces poèmes ? Ils sont publiés, effectivement. Ils sont très beaux. Ils sont très, très beaux. Donc, une œuvre archipel, et chacun peut aborder l'île par le moyen qu'il souhaite, poésie, théâtre, roman, et puis peut-être pas tout de suite, s'il n'en a pas envie, gravir la montagne de l'art de la joie. Donc, le seul récit qui a donné un succès certain à Goliarda, c'est l'Université de Rebibbia, qui a été publié en 1983, simplement parce que, eh bien, on a eu plaisir à voir une dame qu'on situait dans la bonne société, eh bien, se retrouver avec les prostituées, avec les voleuses, avec aussi, ne l'oublions pas, nous sommes dans les années 80, avec les terroristes des Brigades Rouges, ce sont les années de plomb. Et donc voilà dans quelles circonstances cette œuvre qui se construit pourtant a permis à Goliarda, pour un temps assez bref, de sortir de cette espèce d'anonymat, voire de relégation dans laquelle elle a pu se retrouver de son vivant. Elle a le soutien d'une très très grande écrivaine, Natalia Ginzburg. Ça n'est pas rien pour ceux qui s'intéressent à la littérature italienne. C'est un immense auteur des années 80-90. Elle a l'appui d'Attilio Bertolucci. Là aussi, ça n'est pas rien. Attilio Bertolucci est le père de Bernardo. Hein, voilà. Donc, le cinéaste, le réalisateur bien connu. Elle a l'appui de Sandro Pertini. Mais Sandro Pertini a été président du Conseil en Italie et s'était retrouvé dans la résistance avec sa mère, Maria Giudice. Malgré tous ses appuis, Goliarda n'a pas pu se faire reconnaître dans l'univers
littéraire italien. Mais il faut rendre hommage à Nathalie Castagné, qui pendant 20 ans, et qui continue d'ailleurs, a traduit l'œuvre de Molière de Sapienza, au détriment de sa propre œuvre de romancière. L'année de naissance de Molière de Sapienza correspond, 1924, à l'année où le député socialiste italien Matteotti a été assassiné. Il a été assassiné le 10 juin, je crois, Matteotti. Molière est né le 10 mai 24, 10 juin 1924. C'est dire dans quel contexte d'installation du fascisme, des lois que l'on appelle les lois fascisticismes, c'est-à-dire celles qui transforment une monarchie parlementaire, somme toute, en une dictature totalitaire. Goliard naît dans une famille profondément engagée politiquement, socialiste ou anarchiste, mais aussi profondément athée. Le père est donc Peppino Sapienza, qui est un bon Sicilien de Catane. La mère, Maria Giudice, est l'intellectuelle du couple, d'une certaine façon. Je disais tout à l'heure qu'elle a été celle qui a dirigé la première chambre du travail à Turin, où elle a vécu pendant longtemps. Le père, lui, est avocat, et il est issu d'une famille assez modeste, mais il s'installe au centre de Catane, et là, il devient l'avocat des pauvres. Et on a l'impression que dans le nom de Goliath la Sapienza, se retrouvent toutes les contradictions même qu'il y a en elle, dans son œuvre et dans sa propre vie. Goliath a la joie démesurée, l'hubris même, parfois. Et Sapienza, la sagesse, quel peut être le cheminement de cette femme pour qui la seule chose qui ait jamais compté, c'est la liberté. La liberté coûte que coûte, la liberté à tout prix, la liberté non seulement, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à l'Église, mais par rapport à toutes les Églises. Parce que, je disais, il y a bien sûr eu la période du fascisme, mais quand arrivent les années 50, 60, 70, il y a d'autres églises qui apparaissent, venues de contrées moins méditerranéennes, venues de l'Est. Et elle, qui est la fille de militants socialistes, dans le fond, elle ne veut pas non plus se laisser embrigader dans quelque église que ce soit, qui pour elle était un synonyme de totalitarisme. Lasciamo questo primo mio ricordo così com'è. Non mi va di fare supposizioni o di inventare. Voglio dirvi quello che è stato senza alterare niente.